blanche comme la tour du Pise, pour penser qu'on nous prend pour des cons quand on nous explique la crise à la télévision. Qui aura un jour les couilles de prononcer l'extrême onction pour les bourses et la magouille de la spéculation? Qui arrêtera la racaille, celle qui entasse des millions en jouant sur le travail de la population? Le chef Seattle parlait ainsi au président des États-Unis. L'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Son appétit engloutira la terre en laissant derrière lui un désert. J'ai lu que sur 10 personnes, 3 sont tellement endettées qu'elles peuvent plus payer personne, pas même leur loyer. On croit qu'on a des ministres, des gens bien comme il faut, mais on n'a que des complices d'Arnaud Dassault Pinault. Je demande aux artistes de n'être plus les capots, ni les propagandistes, des gardiens du troupeau. Sauvages domptés, les coins secrets de la forêt chargés de l'odeur de beaucoup d'hommes et la vue des collines ternies par des fils qui parlent. Alors, où seront les fourrés? Disparus. Où sera l'aigle? Disparu. Et cette disparition marquera la fin de la vie et le début de la survivance.